Et yo tout le monde, c'est Inferno FC, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo, ça va être l'épisode 6 de ma série Road to Messi. Donc on s'en rapproche et vous verrez qu'à la fin je suis pas loin du Lionel Messi, il me manque quelques crédits. Donc dans cet épisode j'ai accéléré un peu les séquences parce que je trouve que ça devient tout le temps la même chose. Donc ça sert à rien de vous les mettre en vitesse normale, vous avez compris la technique à peu près. Donc là hop, je vais vous afficher mon bénéfice transfert de la journée dernière, donc je suis à 2 144 000. Et on va voir à la fin de la journée à combien on sera. Donc bah voilà les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour cette vidéo parce que le jour 5 j'ai fait pas trop de bénéfices comme vous avez pu le voir. Parce que comme j'étais pas là toute la journée, j'ai pas pu trop faire d'achat-revente. Alors que là j'étais un peu plus présent, donc les bénéfices ont remonté. Vous allez voir qu'à la fin j'ai gagné plus de 100 000. Enfin je suis à 250 000, 1 250 000 c'est normal, j'ai vendu quelques joueurs or. Ça m'a même fait baisser mes prix de transfert, enfin mes bénéfices transfert parce que je les ai vendus un peu en perte. Parce que sur les joueurs or ils prennent 5% même sur les joueurs argent, mais enfin je les ai vendus un peu moins cher que je les avais achetés pour pouvoir les vendre plus rapidement. Donc bah voilà pour la technique, c'est toujours la même chose, on achète des joueurs argent pas très cher histoire de les revendre beaucoup plus cher. Donc j'ai regardé une technique, il y a une technique d'un mec là sur Community FR, une chaîne communautaire là. Il fait des techniques où il revend des joueurs hors 1000 de plus. Ouais, c'est une technique que j'utilisais avant, mais le problème c'est que bah, au bout d'un moment on fait plus trop de bénéfices quoi. Enfin, il doit se faire 700-800 par joueur. Alors que moi avec ma technique je me fais 2000 par joueur limite. Donc c'est je sais pas. Après vous choisissez, si vous n'arrivez pas à faire ma technique, je vous conseille d'aller voir sa vidéo, elle est pas mal. Et les joueurs achètent plus les joueurs en or à l'aveugle que les joueurs argent. En fait, ils font plus attention aux joueurs argent. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on se rapproche assez rapidement du Lionel Messi. Je crois qu'on a commencé la série avec 700 ou 800 000 crédits. Et là, bah, ça monte tout doucement, on va bientôt y arriver. J'espère que... J'ai regardé là récemment, il y a des Lionel Messi qui apparaissent. J'en ai vu 3, donc j'espère que quand je vais vouloir l'acheter, il y en aura. Là, il y a aussi la Tots MLS qui est sortie, franchement. Il y a une vidéo que j'ai envie de faire avec un joueur, je vous dirai pas. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé le titre... Je trouve assez con, mais je trouve sympa le titre. Donc voilà, là vous pouvez voir qu'en une heure j'ai fait tout ça de ventre. Franchement j'ai trop choqué. J'ai jamais vendu autant de joueurs en une heure. Ils sont partis tous d'un coup. Donc franchement, énorme. Énorme ce que j'ai fait. Je vous parlais de la Tots MLS. Franchement, il y a des joueurs qui font envie. Par exemple, Dempsey, Gérard Tots, Lampard, Zardes, ces joueurs-là ils font envie. Il y a même une team of the week qui est sortie avec Hulk Boost en pointe. Putain le mec il a une stat en force abusée, limite il te met un coup d'épaule, tu tombes dans le coma. Donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser, enfin si jamais je l'achète, je sais pas. Il y a Martins aussi avec ses 98 de vitesse, le gros cheat, Jovinko 98 de vitesse. Enfin les mecs qui tapent des sprints, c'est Usain Bolt, il est derrière. Donc voilà, j'espère, je vais peut-être m'en faire une petite équipe avec la Tots MLS, mais d'abord je compte acheter Lionel Messi pour pouvoir l'essayer et voir ce que ça donne. Donc voilà, bah comme d'hab, là, il y avait la place dans ma liste des transferts, vu tout ce que j'ai vendu, donc bah, je l'ai re-rempli. Paredes, là, il a des sacrés stats pour un petit joueur argent. Il a l'air pas mal du tout, je crois. D'ailleurs, je crois qu'il a été up, ça me dit quelque chose. Enfin, je crois qu'il est en or, maintenant, je sais pas du tout. Ça se trouve, je raconte n'importe quoi. Donc bah voilà, la vidéo va bientôt se terminer. Comme je vous ai dit, dans cet épisode, on a fait un peu plus de bénéf que dans celui d'avant. J'espère que ça vous plaira. Si jamais ça vous plaît, n'oubliez pas le petit like et de vous abonner à la chaîne pour suivre l'épisode. Donc maintenant je vais les faire sous format un peu plus court, c'est à dire qu'ils dépasseront pas vraiment les 5 minutes. J'essayerai vraiment de me baser sur 5 minutes d'épisode. Donc je vais accélérer les séquences un maximum parce que maintenant je pense que vous avez compris un peu comment ça marche. Donc voilà ce qui est pour la série. Moi je vous parlais d'acheter Pogba Tots à la place, mais j'ai vu qu'il y avait des Messi qui apparaissaient. Et là, il va y en avoir plein qui vont apparaître, tout simplement parce que la Team of the Week et la Tots là, qui viennent de sortir, à mon avis, les gens vont paquer. Et donc, il va y avoir plus de Messi qui vont tomber, donc plus de Messi sur le marché, je pense. Il va falloir que je me presse, histoire de pouvoir l'acheter un peu moins cher, peut-être. Je sais pas, on verra. Mais en tous les cas, 1 500 000, on y est bientôt, vous verrez à la fin. Donc, je ne m'inquiète pas du tout pour ça. Donc là, on se retrouve pour la dernière séquence. Comme vous pouvez le voir... Je suis à 1 250 000, 254 000 crédits, donc voilà, on est vraiment bien. Là, je vais relister tous mes joueurs, je vais vous montrer mon bénéfice transfert pour la fin de cet épisode. Donc là, cette séquence, je ne l'ai pas accélérée, je me suis dit que là, on pouvait laisser un peu. Hein, c'est la dernière, c'est là où je vous montre mes bénéfices. De toute façon, il y a un rappel bénéfice à la fin.
Et donc là, vous pouvez voir que je suis à 2 247 000, donc j'ai fait presque pile poil 100 000 crédits de bénéfices. Donc bah voilà, si cette vidéo t'a plu, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner à la chaîne, de commenter et de me suivre sur Twitter si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. C'était Inferno FC, bye bye, on se retrouve pour une prochaine vidéo.